Je suis Alice Hermand, je suis médiatrice culturelle et conseillère en communication dans différents musées à Bruxelles et en Wallonie. J'ai étudié l'histoire de l'art en mineur en communication et j'ai fait l'agrégation par la suite. J'ai eu la chance de pouvoir travailler directement en fait au musée Hergé, toujours sur le site de Louvain-la-Neuve, en même temps que je faisais l'agrégation pour commencer, et puis après je suis passée en temps plein et j'y suis restée pendant 5 ans. Après ça, j'ai fait différentes missions dans différents musées, comme le musée L, musée de Louvain-la-Neuve pour des visites guidées à ce moment-là. Et donc pendant un an, voilà, j'ai été dans différents musées, principalement wallons, la Fondation Follon ou ce genre de magnifiques pépites qu'on a chez nous. Et puis après, j'ai été coordinatrice au musée de la bande dessinée à Bruxelles pendant un an. Et ensuite, j'ai enchaîné avec responsable du service communication du domaine et musée royal de Marimont pendant 3 ans, que je viens de quitter pour une autre mission en tant que médiatrice culturelle au musée du train à Schaerbeek. Mon quotidien est pluriel parce que je suis donc médiatrice culturelle à temps plein au musée du train, où j'écris des parcours, je travaille à l'adaptation du musée pour les personnes porteuses de handicap. J'adore pouvoir adapter vraiment le contenu, comme le bâtiment, comme les expositions, à tous les différents types de publics. Donc c'est très très varié. Et à côté de ça, j'ai différentes missions encore dans d'autres musées. Donc pour l'instant, j'écris un parcours famille pour un autre musée bruxellois. Et je reste attachée de presse de la Maison Autrique à Bruxelles, par exemple. Louvain-la-Neuve, c'est des études, c'est un site particulier, mais c'est aussi les quotas projets, les Erasmus, les possibilités en fait de grandir aussi bien au niveau de sa formation que de ses amitiés. Je dirais croquer la vie louvainiste à pleines dents et essayer tout ça parce que c'est hyper enrichissant.